commencer par prévoir vos instructions que vous nous avez données à travers notre liste de tutelles, viser les moyens humains et logistiques de la Sonagem et venir remettre un peu à niveau l'ensemble de la ville de Dakar. Donc, nous avons mobilisé à peu près 1 000 000 de jeunes qui sont des agents du programme Pré-UNOI, mais aussi des anciens du CG. Et nous sommes aussi contents d'avoir eu une adhésion populaire autour de cette initiative, parce que en plus de ce millier de jeunes, nous avons eu à peu près 800 jeunes issus des quartiers de la zone de Passaï-Sassani qui sont venus nous appuyer dans cet exercice. Et de manière spontanée, on a constaté aussi un engouement des populations en vigilance. Donc nous avons aujourd'hui pu lancer ce programme de remise à niveau qui a nécessité la mobilisation d'engins importants, parce qu'il faut savoir que depuis quelques jours, il y a eu une interruption du système de nettoiement. Donc beaucoup de dépôts se sont constitués dans les quartiers. C'est donc l'occasion de lancer même un message aux populations. On voulait dire que notre standard téléphonique 202-123 est disponible pour qu'ils puissent nous signaler les dysfonctionnements qu'il y a eu dans le système de collecte. Nous sommes très contents, Monsieur le Premier ministre, de vos encouragements. Et nous sommes engagés pour accompagner un tout petit peu cette mise à niveau. Aujourd'hui, on est au niveau des parcelles Sassini, mais le même exercice a été fait à Pikin, à Djamboungen, à Sikamba, à la Médina, à la zone de captage, un peu partout à Dakar. On est en train de rebâtir, de mettre en place l'ensemble du système de nettoyage au grand bénéfice des populations. Si voilà, vous avez un sens de visite que vous effectuez sur le terrain. Nous sommes d'abord sur le monsieur le Premier ministre Amadouba. Nous avons fait nous faire une fête sur le théâtre d'opération de Tiligé. Nous avons fait le ministre Amadoulaye Sédoussou et aussi monsieur le ministre Papoumalik Nous avons fait un djembal aussi. C'est un djembal qui est 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 un djembal qui dysfonctionnement un djembal qui est un Monsieur le Premier ministre, nous avons mobiliser les équipes de l'UCG sur la jette pour que nous fassions remise en état. Nous avons aussi les rênes, nous avons aussi un engagement populaire. Nous avons vu que nous avons été par le à peu près 800 jeunes qui ont été soldés avec l'UCG et avec l'équipe de l'UCG pour participer à l'effort. Nous avons aussi des jeunes qui ont été mis en train de nous aider. Ils sont prêts à nous accompagner pour stabiliser ce pays. Nous avons aussi la construction nationale. Benen bi moy daf ñu ko ci mbir mi dañ ko yaatal yamul rek ci parcelle ci dem nañu Guédiway dem nañu fi Buntu Pikine zone de captage Sikap Medina fepp fo xamne dal amon na jafé jafé taxaw nañ ci ak aussi équipe sonage bi ak ay moyens nak yu important ndax comme dafa amon difficulté ci système bi obligé pour mobiliser ay peines mécaniques ak ay camions à ciel ouvert pour ñu dem faire une remise à niveau très 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 rapide inchallah du am fi ndax à partir de ce soir monsieur le premier ministre nous sent dina ñu dal soir xolat ñu ci boutique nañu continuer plan d'urgence pour que l'iPhone qui est là, nous mène à la situation de l'équipe de l'école. Merci beaucoup.